chaud? Vous amène de la neige. Bonjour. Je m'appelle la fée des étoiles. J'ai descendu du ciel aujourd'hui parce qu'il y en a deux enfants qui m'ont demandé. Venez les découvrir. Allô tout le monde. Erika, je vois que tes jouets sont ici. Tu as Antoine, tu as Céleste et aussi tu as Elena habillée dans la mer, habillée comme la mère Noël. Oh, tu as aussi un pingouin qui vient de Pôle Nord comme moi aussi. Vous savez les enfants, moi j'habite au Pôle Nord. Et je suis la fée des étoiles. Moi, je suis la fée de toutes les étoiles. Mais maintenant, si vous êtes prêts pour écouter mon conte en français, le conte de Noël, on va compter jusqu'à 10. Comptez avec moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que le conte commence avec une belle musique. Une fois, pendant l'été, il avait un papillon qui travaillait tout l'été, tout l'automne pour ramasser du pollen, du fleur pour l'hiver. Alors, il y en a les abeilles, il y en a les oiseaux, les écureuils qui travaillent pendant le printemps, l'été jusqu'à l'automne pour ramasser de la nourriture pour l'hiver. On sait que l'hiver est long au Québec, alors les animaux, les oiseaux ont besoin de la bouffe pour l'hiver. Alors dans notre histoire, on avait le petit papillon qui ramassait beaucoup du pollen du fleur. Et aussi dans notre jardin de Erika, il avait un gros chien qui s'appelait Happy, ça veut dire le monsieur heureux, il était très heureux, qui dormait toute la journée. Il dormait comme ça. Je répète, le papillon travaillait toute la journée et notre chien dormait. Qui va manger pendant l'hiver? Je vous laisse deviner. Aussi, on avait qui travaillait pendant l'été les fourmis, les abeilles, les animaux, les écureuils, les lapins. Tout le monde travaillait
pour avoir de la nourriture pendant l'hiver. Un jour, Erika, vous la connaissez déjà, c'est elle qui a un beau jardin, qui a des abeilles et aussi qui est très sage. Elle aime lire, elle aime aller à la bibliothèque et c'est elle qui peut écrire. Parce que ses amis, Antoine et Céleste, le vrai de Céleste, parce que c'est une vraie histoire, c'est Clémence, mais dans notre histoire, c'est la poupée Céleste. Alors, Antoine et Céleste ont demandé à Erika d'écrire une lettre pour la fée d'étoiles. Le chemin a été tellement long parce que Erika a écrit au Père Noël. Le Père Noël a envoyé ses lutins dans la maison de la fée d'étoiles et j'ai reçu la lettre. Mais avant de descendre, j'ai demandé à Erika trois choses. Parce que c'est pas normal que je descende en été. C'est pas normal que je vienne avec de la neige partout au Québec et au Canada. Alors j'ai demandé à Erika de faire trois choses. La première chose, j'ai demandé de compter les étoiles. C'est presque impossible. Mais Erika, allô Erika, elle est assise ici, elle écoute le conte. Erika avec ses amis Antoine et Céleste ont réussi pendant 3 mois de compter toutes les étoiles. La deuxième épreuve, j'ai demandé à Erika de compter combien d'étoiles vont tomber du ciel, mes étoiles à moi, pendant un autre 3 mois. Ils ont réussi! Ils ont compté toutes les étoiles qui ont tombé pendant le printemps et elle m'a envoyé le nombre 3558. Bravo! Et la troisième épreuve, j'ai demandé à Erika si ses amis Antoine et Céleste ont été sages, s'ils ont été gentils, s'ils ont bien écouté maman, papa et grands-parents. Et qu'est-ce que vous pensez? Père Noël m'a aussi donné il m'a aussi dit que les trois enfants, Erika, Antoine et Céleste, ils ont été sages. Bon, mais comme je disais, il faut bien travailler pour avoir quelque chose dans la vie. Tantôt, j'ai dit que mon papillon travaille fort pour qu'il y ait de la nourriture, hein? Et j'ai aussi Happy qui dort toute la journée, qui va avoir rien si on lui donne rien. Il faut qu'il soit sage, qu'il est gentil, mais il est gentil, mais il travaille pas trop fort. Et avant de descendre le 25 juillet 2020, j'ai demandé aux trois enfants qu'ils m'écrivent une belle lettre. Comme j'ai dit, j'ai reçu la lettre. C'est le Père Noël qui l'a reçu au Pôle Nord. Il a envoyé le lutin à mon grand, grand, grand chalet d'étoiles. Mais oui, j'ai un grand chalet d'étoiles. Et j'ai aussi beaucoup de neige. J'adore la neige. Mais je ne peux pas rester trop longtemps. Vous savez, chaque saison a une raison. Le printemps, on a des fleurs, on a tout vert, tout commence à être beau. L'été, on a aussi des fleurs et on commence à avoir des fruits et légumes. À l'automne, on a encore plus de fruits et légumes. Et à l'hiver, on va les manger. Et moi, je viens seulement pendant l'hiver. Je viens avec de la neige, mais aussi vous pouvez me voir, tout mon chalet, mon grand, grand chalet au ciel quand vous regardez le ciel. Alors, je ne peux pas rester trop longtemps, mes chers enfants. Je reste encore un peu, je vous dis un conte et on va se revoir le 25 décembre. Alors, j'ai fait une exception parce que les enfants sont sages. Ils ont fait les 3 épreuves, ils ont répondu bien à mes 3 épreuves et aussi ils ont envoyé une lettre.
Ils sont sages, ils sont gentils et je les aime beaucoup. Venez me donner un petit câlin, comme ça. J'ai le droit, hein, sont des poupées. Nous, les humains, on n'a pas le droit. Il faut toujours garder le 2 mètres. Ah, mon petit pingouin qui vient avec moi au pôle Nord. On va le mettre ici. C'est ma poupée. C'est tout pour le conte d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Et je dois déjà aller au ciel. Je vous embrasse fort. Soyez sage, 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 sage comme une image. Et lisez surtout beaucoup de livres. La clé du succès, c'est vraiment de travailler fort et lire des bons contes. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le conte. Je vous aime beaucoup, mais je dois vous quitter. Je dois vous quitter parce que je vois déjà Erika qui a un peu froid. Bye! Chère fée d'étoiles, je voudrais faire une surprise à mes amis Antoine et Céleste. S'il te plaît, descends du ciel. Si le 25 juillet, je t'attends au moins pour 30 minutes. Merci beaucoup. Erika. Attendez, c'est pas fini. J'ai une surprise pour vous, les enfants. Avec Erika. Allô, Erika, qui a écouté le conte. As-tu aimé le conte? Oui. Avec Erika et notre qui? Céleste. On va danser. Attendez, les enfants. Ce qu'on va faire, vous allez faire avec nous dans 3, 2, 1. Et vive le vent. À droite. À gauche. Droite. Gauche. Et vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Et saute, 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 plus haut, Erika. Go! Et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et saute. Attention, on va avancer un peu. Et 1, 2, 3, 4, recule. Avance. Recule. Sur place, saute. On va danser maintenant avec un soldat qui s'appelle Jean. Pour la prochaine danse, on va aller juste un peu plus loin. Enfin, on va continuer avec une autre danse sur le pont d'Avignon. Dans 3, 2, 1, action! Erika, viens à côté de moi. Et droite, gauche, droite, gauche. On va danser avec Jean, notre soldat.
et droite. On y danse, on y danse sur le pont d'Avignon. Et gauche, les deux pieds.
finir avec Frère Jacques. Et dernière activité, avant que je retourne dans mon chalet, dans mon grand chalet d'étoiles, je vous demande de dessiner votre personnage préféré. Nous avons vu aujourd'hui dans notre conte un beau papillon. Nous avons déjà vu aussi, nous avons vu notre chien Happy. Nous avons vu Céleste, qui est très belle, hein? Nous avons vu Elena, la poupée de Erika. Elle a beaucoup de poupées. Et aussi, nous avons vu Antoine. Oui, Céleste a raison. Aussi, on avait le pingouin que je voulais la porter avec moi au pôle Nord. Je vous laisse dessiner. Je vous embrasse fort. Encore une fois, mais oui. Et je vais aller maintenant dans le jardin pour aller.
non, les fleurs commencent à geler. Je dois tellement quitter. Bye, on se voit à Noël.